Encore un Shoryu Saget qui est totalement revenu dans la partie Shoryuken. Aïe 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 aïe. Ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Tortilla, elle est fuertée qui a deux doigts de remporter ce match, de sortir un grand maître. La chape aérienne ça touche. Le cross-up qui touche les 57, c'est inadmissible. Non, 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 non. Incroyable, Dragon Cancel avant un Shikitsu Ultra. Je lâche mon cas, je me bats. Hey, de retour mon gars. Et ouais, de retour, j'espère que vous avez pu vous rassasier, manger. Je viens de boire de l'eau dégueulasse là. Nous sommes enfin arrivés au moment tant attendu. Il est là, il est arrivé, il est là. Le colis contenant Dragon Quest X. Il est dans cette boîte. Dragon Quest 11, pardon. Il est dans cette boîte. Incroyable, mais vrai. Nous l'avons. Merci d'ailleurs à Ninin Game hein, pour sa grande efficacité et sa rapidité. On va donc pouvoir, avec un plaisir non dissimulé, ouvrir tout ce merdier devant vos yeux ébahis. Ça va être extraordinaire. Je vais sortir mon plus beau couteau. Bon, par contre, j'ai couru. Donc, je dois bien vous avouer que ça va être compliqué. Donc, il est arrivé du Japon très rapidement. Hein. Chronopost, hein, qui, franchement, la communication impeccable, même si j'étais pas disponible, ils m'ont permis de payer les douanes, car j'ai payé de la douane. En différé, c'est cool. Wow, l'emballage IX. Putain, mais cet emballage IX plus alpha. Bordel. Ouais, c'est tellement violent. C'est bon emballage. Hein. Mine de rien. Ça rigole, zéro. Hein. On a réussi à me planter le couteau dans le vide. Alors, que contient ceci? Hop. Ça c'est ouvert. Ça c'est ouvert. Super emballage en tout cas. Hein. Généralement les mecs ils protègent, hein, ils déconnent zéro. Hein. Regardez la protection. Grosse protection. Monte un peu le son. Un bel aspirateur. Ouf, c'est un aspirateur. Bien, nous sortons déjà l'objet de tous les désirs. Ceci que je vais poser sur la table n'est autre que le collecteur Dragon Quest XI. Je le pose ici, tranquillement. Et nous sortons le deuxième objet que contient ce colis. Cette espèce de boule bleue. Oh là là, il est là, il est là, il est là. Ah là là. Voilà, colis ouvert. Je mets tout ça là-dedans. J'évite de foutre trop le bordel chez moi. Ça. Impeccable. Ah. Commençons par ceci. Cette magnifique manette slime. Je l'avais ratée à l'époque de la PS2. Je l'avais raté, je ne la raterai pas ici, aujourd'hui, pour Dragon Quest XI. Plus jamais de ma vie je ferai cette erreur, car cette manette vaut aujourd'hui 120 balles. Et je suis sûr que celle-ci aussi va gagner en valeur. Et on va faire tout Dragon Quest avec cette manette. Avec cette manette. Tellement parfait. Regardez les touches derrière. Ah là 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 là. Ah, c'est trop d'émotion. Alors le colis a pris un peu de dégâts hein, quand même. La boîte en plastique. Ce genre de plastique qui n'est vraiment pas fait pour voyager. Hein. Le plastique est un peu dur. Généralement assez cassant. Mon collector Final Fantasy
2015 se souvient encore de ce genre de plastique là. Hop! Un piédestal, hein, la manette fait par Ori, hein, évidemment. Que contient ce piédestal? PS4. Wireless controller. C'est sans fil, hein. Complètement sans fil. Ça va être rigolo de jouer avec ça. Donc, la manette. Ah, putain. Oh là là, mais le bonheur. Regardez-moi cette manette. D'une finition, je dirais, relativement bonne. En tout cas, le slime est plus que ressemblant. Les touches ici. Stick analogique au centre, regardez ça. Hein. Fla. Ha, 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 ha. Cette croix. Waouh. La croix qui a l'air vraiment bien. La croix qui a l'air vraiment... Oh putain. Oh putain. Oh, il va falloir... Ça va être une prise en main. Ça va être une prise en main quand même. Hein. Ça va être une prise en main. J'ai l'impression de jouer sur Xbox 1. Oh, faut vraiment être fan. Par contre, la croix a l'air bien. C'est pas les conneries. Hein. La croix a l'air vraiment bien. Ouais, la croix a l'air très très bien. Maintenant, elle est passée de façon un tout petit peu bizarre. Là, il y a mon frère qui est en train de sonner à la porte. Hop, je vais l'ouvrir. Bougez pas. Ça va ? Oui ? Alors, à l'intérieur de... à l'intérieur de ce trou. Non seulement un magnifique câble pour recharger la manette, merci, mais aussi le piédestal, parce que c'est ça qui est le plus important. C'est pas forcément jouer ou ne pas jouer à la manette, ainsi que le livret qui t'explique vraiment comment tu t'en sers. C'est ça, parce que le but de toutes ces conneries, c'est de faire ça, voilà, et d'être full sanois, mon gars. Ou full Hayabusa. Regardez-le. N'est-il pas parfait? Évidemment qu'il est parfait. Alors ça a l'air très bien. Ça a l'air très bien. Je vais immédiatement brancher cette manette à ma PlayStation 4. Via le câble. Hop. Fla ici. Je me décale. Branche. Le câble sur la PS4. Hop. Dans le cululu. Voyons voir si je mets full jeu. Cette manette, en appuyant... Alors le fil est en haut, d'accord. En appuyant sur PlayStation. Allô ? Comment ça? Comment ça tu... Mais connecte-toi! Connecte-toi! Ça clignote. Là, je crois qu'il y a une sécurité quelque part. Où est le manuel? Où est le manuel? Non, elle clignote. Alors, attends. Alimentation. Son et périphérique. Éteindre le périphérique. DualShock. Ma DualShock est éteinte. Ah mais non mais je sais. C'est ma PS4 le problème. C'est ma PS4 le problème. Cette PS4 c'est vraiment de la merde en vrai. Ah, c'est ma PS4. Oh, me dis pas que ma PS4 va pas pouvoir reconnaître la manette. Ça va me rendre fou. Ouais, j'ai fait la mage, mais les ports USB, ça fait une... Comment ça s'appelle? Ça fait une Filipino Champ.
C'est en train de faire une Filipino de chambre. Il reconnaît pas la console. Oh, le bois qui est ultime. C'est un magnifique objet. J'ai de la chance avec les manettes en ce moment. Tiens. Essaye de brancher sur la PS4 Pro. C'est pas le câble, à mon avis, il y a une protection. Attends. Lisons le manuel. Fla, fla, ano, controlo. Hop, el manual. Attends. Ouais. Donc, paramètres Bluetooth, déconnecter la manette de DualShock 4. Ensuite, il faut que j'appuie sur Share et Option en même temps. Ah. Voilà. Ok. Elle a fait le bon truc. Je sais pas pourquoi il fallait que j'appuie dessus, mais... Pourquoi est-ce que tu clignotes encore? C'est pas ça. Appuyez sur Share et machin. Et... Trouver slime controller dans les paramètres. Attends, parce qu'en fait... Putain, mais quel bordel. En fait, non. Oui et non. La brancher. Ah, il y a un petit flat. Attends. Ouais, il y a un petit flat. Il y a un bouton de reset. Oh là là, putain, pourquoi est-ce que c'est compliqué? T'as un cure-dent? Il faut le L trombone. Et il me faut un cure-dent, ouais, ou un trombone. Incroyable, mais c'est pas plug and play, hein. C'est pas du tout plug and play. Attends, bouge pas. C'est où les périphériques? Paramètres. Des périphériques. Oh, j'ai tellement de manettes de brancher, attends. Donc là, normalement, il devrait trouver ma manette Bluetooth. Menu. Et il ne le trouve pas. Ça serait jamais arrivé avec la Switch. Putain, pourquoi c'est toujours à moi que ça arrive comme ça? J'ai un zéro de vital tellement puissant. Ah. Ah, mais là, il est bien connecté en Bluetooth, hein. Y a aucun problème. Vas-y, on va pas aller changer le cas. Ah, non. Parce qu'elle s'allume la manette quand t'as pu la surcharge. Ah. Pourquoi ça a clignoté? Voilà. Ah, c'est non. Quoi ça? Non, rien à voir. Vas-y, refais cher plus option. Non, c'est pas ça, cher que option. Cher que option, c'est ça et ça. Non, c'est pas cher plus option, c'est cher plus le bouton et il faut l'appuyer 5 secondes, ils disent. Vas-y, appuie 5 secondes. C'est pas 5 secondes. Appuie jusqu'à que ça fasse un plat. Là, ça vient de clignoter. Ah ouais, on dirait que ça essaie de se synchro. Ça clignote. Attends, ça va peut-être apparaître. Si, je vais presser dans le revenir. Slime Controller, voilà, il est là. Voilà, il est là. Hop. Oh, l'horreur. Enregistrer ce périphérique, oui. C'est même pas une manette PS4. Ça y est, oh. Ça marche. Voilà, je l'ai baisé. Il fallait lire le manuel. Voilà, il faut lire le manuel. Dans la vie, les manuels, c'est utile. Voilà, j'ai lu le manuel.
Parfait. Putain, il faut le reconnaître en tant que slime contrôleur. Hein, donc c'est vraiment... c'est pas un périphérique Bluetooth au pif. Peut-être que si tu joues à Dragon Quest avec ce périphérique, il se passe de nouveaux trucs. J'ai espoir. J'ai grand espoir. Le slime contrôleur configuré, je le repose sur son piédestal. Comme ça. Ouais. Voilà, on est bien. On est bien. Fla. Allez, slime contrôleur configuré. Parfait. Je laisse ça ici. Et maintenant, nous allons donc unboxer le collecteur de Dragon Quest contenant théoriquement les deux jeux. Regardez comme il est beau. Ah, ça me rappelle mon Jojo Veller. Même le carton, tu le jettes pas. Même le carton. Nintendo 3DS PS4, hein. Je sais pas si vous avez remarqué ça. Ça, vous verrez pas ça souvent. Hein. Alors, on va faire très attention durant la phase d'unboxing à ne pas sectionner le jeu qui est en dessous. Ta 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 ta. D'accord, en fait, non. Fausse surprise. Donc t'as un carton collector. Voilà. Le carton collector. Carton collector. Est-ce que je peux voir mon jeu? Est-ce que c'est possible? Oui. Ah! Hop! Hop! Ta! Ta da 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 ta ta! Oh là 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 là! Oh là là, cette hype infinie. Oh, j'ai jamais autant aimé être un youtubeur. C'est incroyable. Carton number 2. Sur lui, il n'y a rien. C'est juste un putain de carton. Qui va retourner à l'intérieur du carton collector. Immédiatement. Fla, fla. Fla. Ah, le voici. Hein. Non, c'est bon. Le voici. Hein. L'épée de légende. L'épée de Roto. Superbe. Allez, on ouvre. On ouvre patiemment. Où est-ce que ça s'était décalé ça? Oh, mets-toi là. Mets-toi là. Là. On ouvre. C'est un peu déchiré. Oh là 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 là. Hop. Qu'est-ce qu'il est beau, putain. Qu'est-ce qu'il est beau. Le logo, hein, 11. Apparaît ici. L'emblème de Roto. Et cette épée qui est brillante en fait, hein. Et elle a du relief. Elle est gravée dans le carton. Alors là, il faudrait que je fasse un peu plus de fla. Parce que là, c'est un moment critique de l'unboxing. L'ouverture de l'épée de légende. La padababam pam pam. Ta ta da da ta ta. Regardez ces gravures en or.
là. Gravure en or. Tout le carton, il est doré. 2017 Armor Project Burst Studio. Ceci conserve le truc. Oula ! À l'intérieur, par contre, ça a un peu plus pris cher, on va dire. Le transport a été difficile pour l'armure à l'intérieur. Fissure là, du carton, ma foi, pas très solide, qui retient les deux bouquins, qui va évidemment nous intéresser. L'intérieur du carton n'a pas une grande importance, je dois bien vous avouer, ce qui est important, c'est ça. Premier livre de cuisine, c'est très léger. Les signatures de Yuji Horii. De Toriyama Akira et de Koichi Sugiyama ici. Signature. La légende de Roto et à l'intérieur, ça va, ça c'est en très très bon état. Le jeu 3DS juste ici. Là. Avec en dessous les petits monstres. Jeu 3DS. Hein. Pour le moment, nous allons laisser dans sa boîte que nous allons aussi montrer, évidemment, le jeu 3DS. Hop! Premier jeu, et c'est assez incroyable d'avoir les deux d'ailleurs ici. Ah, juste pour. Peut-être vous l'avez vu, mais ici. Et ici. C'est pareil, du coup il y en a un rouge Nintendo, un bleu PlayStation 4. Hein. Et la version PlayStation 4. Brillante aussi. Yuji Horii, Akira Toriyama, Koichi Sugiyama. Tadam! L'intérieur qui est identique. Et la version PS4 du jeu. Fla, qui m'a l'air bien lourde. C'est une bonne nouvelle. Globalement, c'est le même boxing. Je vais conserver mes deux livres avec les reliures sur le côté. Je vais mettre ça à côté tranquillement. Prendre le jeu PS4. Je vais donc refermer ce carton collector qui lui va trôner fièrement, je dois bien vous avouer, à mon domicile. Si j'arrive, pardonnez-moi, à me battre avec ça. Là. Ceci. Ah, c'est quand même magnifique. Hop, on va faire le truc très important, à savoir. Where is my phone? Il n'est pas là. Mais tant pis, j'ai un iPad. Fla, fla, fla. Hop. Hop. Dégager un peu tout ça. Tam dam. Hop. Tam dam. Hop. Est-ce que vous pouvez voir tout là? Je sais pas si vous pouvez tout voir. Si. Et bien entendu, la manette slime, hein, qui est, on va dire, quasiment l'essentiel là-dedans. Je vais prendre une photo. Oui, j'autorise. Fla, photo. Ah, impeccable avec un grand angle. Vous apparaissez sur la photo. Dites bonjour. Dites bonjour la photo. Dites bonjour. Allez-y. Ah, 1, 2, 3. Vous êtes en boîte. Parfait. Nickel. Fla. Ah. Ah là là, mais cette dose infinie de hype. C'est tellement violent. Tellement violent. Merci. Encore une fois, merci Ninine. Alors, Ninine qui ne peuvent pas faire grand chose hein, contre les envois. Le colis a été ultra bien emballé, mais vraiment ultra bien. Après, attention, il n'est pas fait pour voyager, ce colis. Je te donne l'épée de Roto, oh, mon frère. Incroyable. Par enquête avec ça.
Et trouve-lui un coin sympa. Tiens, cache le collector FF15 là, je peux plus le voir. Ah, c'est je peux plus le voir, je peux plus le voir. Je peux plus le voir. FF15 c'est terminé. Là, on va enfin jouer à des jeux vidéo. Ouais. Hop. Hop. Ouais, il m'arrivait quand même une galère. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai plus de plaque d'immatriculation. Mais pourquoi? Je sais pas. Quoi? Y'a un mec y a à 3 km d'ici, il m'a dit t'as pas de plaque? Il fait bah je suis parti avec une plaque ce matin. Il me dit bah non t'en as plus. Je sais pas si je l'ai perdu à Uniqlo ou elle est tombée, je pourrais pas dire, ça semble pas arraché. Plastique, ça semble pas arraché, il semble rien. Donc je pense qu'elle est tombée. FF15 c'est quoi? On sait pas. Tomber, ta plaque serait tombée? Ouais. Mais tu sais, ça m'étonnerait. T'sais, on m'aurait enlevé mes rétroviseurs. Pourquoi on m'aurait arraché ma plaque? Je parle bien de FF15. Dans tous les cas, c'est pas grave. Ça reste un peu chiant quand même. Bah, ça prend 10 millions d'affaires. C'est un peu chiant quand même. Ouais. Hop! Parfait. Ouais. Impeccable. On met ça là, on met ça là. Cette photo va immédiatement être tweetée. Et je vais insérer le jeu dans la zigounette. Alors, juste pour terminer quand même l'unboxing hein, proprement. Dans le jeu, on a un code Square Enix. Hein, du site Square Enix. Et plusieurs livrets. Sachez que la jaquette n'est pas réversible. Donc livret 1, livret 2 qui t'indique que avec ce code de téléchargement, tu as grâce au collector deux items craqués. Ça, on va aller l'utiliser. Là, faut peut-être que je fasse le jeu sur mon compte Jap du coup. Non. Mais à ce moment-là, le compte Jap n'a pas le PlayStation Plus. Bon, on verra. Et de la pub. Pour le guide officiel Dragon Quest, qui est toujours très très bon. Guide officiel qui est à la fois un artbook, et je les collectionne tous. Et je ne les ai pas encore. Ici, le manuel. Un manuel physique. Qui t'explique comment qu'on joue. En japonais. Je viens de montrer le code. Oh, vous faites pas les bâtards quand même. Faites pas les bâtards. Hop, impeccable. J'insère le jeu. Ici. À l'intérieur. Fra. Allez. Direction. Changement de compte. Espace libre insuffisant de stockage. Oh, fuck. Je dois supprimer de l'espace de stockage. Supprimons de l'espace de stockage. C'est parti. Gestionnaire des données application sauvegarde. Qu'est-ce qui prend de la place? C'est mes sauvegardes, ça. Pas de place, ça. Stockage. Application 300 gigas. Voilà, Final Fantasy 11. 23 crash. Je suis en train d'y jouer. Disc Jam 2. Le jugement disque. Mais casse-toi. Non mais, pour de vrai. Pour de vrai, casse-toi. Ça. The Last of Us, ça dégage. Bon, c'est bon. The Last of Us, tu vois. 50 gigas. Oui, supprime-moi ces merdes. 50 gigas, 50 gigas. 50 gigas, le jeu de merde. Ok, juste, on va changer de compte, du coup.
changer d'utilisateur. Je vais être sur mon compte JAP. Ça télécharge. Parfait. Hop. Je vais aller rentrer à nos codos. Ouais, c'est cool, il y a des accessoires Puyo Puyo pour Phantasy Star Online. C'est pas mal. Alors, à nos codos, c'est... Hop, hop, hop. Très bien. Donc le code FLA... 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 Le code est bon. On télécharge. C'est bon. Allez, on reprend ça. Mettre à jour. Suivant. Mise à jour PS4. C'est vraiment rapide hein, sur PS4. Hein. Qu'est-ce qu'on s'amuse. Alors, je poste, très important, sur Twitter. Pendant que tout ça est en train d'installer. Postons sur Twitter. Donc, photo. Merci beaucoup. À. At. Ningingame. Pour leur rapidité. Je vais pouvoir passer d'excellentes vacances. Cœur. Et on met quand même l'adresse de mon Twitch. Faut arrêter de déconner. La mise à jour. Ah, trop de... Bonnes vacances. On publie. Fla, c'est fait. Oh, mais quelle violence. Ça va, c'est rapide la PS4. Merci Jolantin pour le sub. 12 mois. Mais ça y est, alors tu es une étoile ou une couronne. Tu es une couronne. Oh là, mais quel talent. Quel talent. Ah là là là, c'est beau. Hein. C'est beau, mais par contre, on peut pas vraiment jouer tout de suite à des jeux vidéo. Hein. Je suis sûr, sur 3DS, j'ai pas ce problème-là. Bon, on en profite du coup pour montrer la version 3DS. Je vais l'unboxer aussi. Version 3DS... Au milieu de tout ça. Putain, je suis tellement fier de ce collector. Il est vraiment bien. Alors, c'est carton, hein. C'est pas relié cuir. C'est carton, carton, carton. C'est full carton. Mais... ça le fait d'un point de vue désigne. T'es pas rendu compte, mais t'as montré le code avant. Oui, mais c'est pas grave, c'est bon, je l'ai téléchargé le truc. C'est bon, le code a été validé. C'est pas grave si j'ai montré le code. La version 3DS est mieux vendue que la PS4. Serait-elle moins chère sur un système qui a plus... qui est plus installé? Et ferait-elle un peu plus du fanservice? Oui. La réponse est oui. Donc c'est normal. Mise à jour de la PlayStation 4. Merveilleux. Je sais pas ce que ça va changer, mais... j'en chie pour ouvrir ma... plastique de la 3DS. C'est fait.
Hop. Donc, dans cette version 3DS, à l'intérieur, il y a... Il y a aussi un code pour de télécharger les mêmes accessoires qui se trouvent derrière ça, que je ne vais pas vous montrer encore. Le code des points. Et pareil, hein. Guide 3DS et le manuel avec l'explication entre le 2D mode et le 3D mode. Évidemment, il n'y a aucun intérêt pour moi de faire le jeu 3DS en 3D. Par contre, tout est en dépliant. Ah, c'est beau. C'est beau. J'appuie sur ma touche PlayStation. Ça va être rigolo de faire le jeu avec ça, je sens. Et la cartouche du jeu, Dragon Quest 11. Voilà. Qui, je l'espère, sauvegarde sur la cartouche et pas sur la mémoire de la console. Sinon, ça va me faire chier. Fla, fla, impeccable. Nickel. Ah, 1-2-1-2. Laisse un peu. Dragon Quest 11 en pleine installation. Ah, je suis tellement content de foutre ça sur mon piédestal. Putain, c'est tellement le meilleur truc. Par contre, c'est pas dans le bon sens, hein, ça fait chier. Ça, c'est pour moi. Je vais même garder ça, je pense. Parce que mettre ça là-dessus, ça le fait. Regardez, ils se ressemblent. La PS4, c'est rapide. Hein. Pas fou, pas fou. Oh. Ah. Ah. Vous croyez que vous assistiez ou que vous assisteriez à un stream de N-Sex, vous avez pire. 32 ans et otaku. Pafu, pafu. Bon, il est de rigueur, évidemment, que j'aille changer de t-shirt immédiatement. Pendant cet interlude musical, je vous laisse avec un petit slide. Joy. Changer tout ça. Thank you.
Ah. On est bien. Je sais même pas pourquoi vous avez ce son là d'ailleurs. Voilà, on l'a trouvé. C'est bon, je pense que là les accessoires sont parfaits. Là, je pense qu'on est bien. Vous êtes prêts pour la photo? Voilà, photo.